Tout le monde s'éclate, avec encore plus de farm. À ce quel point il m'en voudrait? Pardonnez-moi, je suis pas certaine de comprendre. Tiens, prends un cadeau. On peut offrir les salles de bain. Trop marrant, tiens, prends ces salles de bain. Ah, je comptais profiter un peu des sources thermales ce soir, si jamais vous prenez envie de m'accompagner. Respectfully, princess, I've passed events to Doc. Interesting. Alors, du coup, retrouver les trois moires, battre Jean Didier, récupérer les bonus, récupérer les bonus, récupérer les bonus. Ok. Et du coup, l'atténuation des contraintes des Sims, faut Thalamus. Hippo, Thalamus, de la mousse, de la belladone. Ok. Cool en merde, quoi. Ok, ça veut dire qu'il faut que j'aille battre Crocro. L'autre Jojo. Alors, atténuation des contraintes. Et de retarder. D'accord. Ah, du coup, on aura un temps, je pense. La bonne witch a toujours figuré que vous feriez votre chemin jusqu'au mortal rail. Elle a wardé le passage là. Votre underworld birthright stuff getting in the way. That's the plan. Odysseus, how about alleviating... Un petit tour aux sources, Ulysse. Gentil, mais je pense que ta maîtresse préfère que je reste ici. Maybe some other time. Oh là là. C'est vrai qu'il y a les love stories. Également. Dans ce jeu. Il y a de la love story avec Penny Pioche. Et... On ne va pas aller à la surface tout de suite. Bon. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Être solide sur nos appuis extérieurs et intérieurs. Technique, conscience tranquille. Cool and brisk. Je pense que l'atténuation, ça va être pendant les X premières secondes, tu prends pas de dégâts. C'est comme ça. Mais ça fait sens qu'il y a la même malédiction que pour Zagreus. Ça, c'est logique, in fine. Ça, c'est logique, in fine. Puis ça évite aussi qu'on puisse aller trop vite dans la deuxième zone et trop loin, trop vite dans le jeu. En vrai, c'est pas déconnant. Ça... En vrai, Hades, ça a toujours été un jeu avec beaucoup de... Enfin, avec beaucoup, avec un nombre non négligeable de farms, notamment parce que ça te permettait d'avancer dans les histoires des différents persos. Donc là, le fait qu'il faille farmer, avoir certains items, débloquer certains trucs et que tu puisses pas y accéder tout de suite... Derrière un peu un wall de farm, quelque part c'était déjà pareil dans le premier, c'était juste moins bien fait. C'était pas des nouvelles zones quoi. Je comprends qu'ils n'aient pas forcément envie que l'early access soit spam en quelques heures. Allez. Oh, en anglais, je vais pouvoir traduire. Hephaistos, dieu de la forge. À l'intérieur de mon cerveau, à propos de ces armes en argent jolies qui sont les tiennes, j'essaye de voir à quel point des petits ont pu faire ces choses et quand. Ce sont des bras nocturnes, n'est-ce pas? Ça veut dire que les utiliser quand des derniers ressorts, c'est ce que je pense, au moins.
Après, vu qu'elle considère que l'Early Access peut fournir que le premier volume au complet. En fait, ça dépend qu'est-ce qu'ils voient plus fournir au premier volume, en quel point. En soi, là, déjà, ce que j'ai vu cette fois-ci aujourd'hui, c'est au total depuis hier, c'est déjà plus fourni que le premier volume. Parce qu'il y a 3 zones, enfin, il y a 4 zones, 4 boss, plus une 5ème zone où je peux pas encore aller. Donc, c'est déjà plus complet de ce que j'ai vu. Donc, oui, déjà, ce que j'ai vu là, pour l'instant, effectivement, c'est déjà, il y a déjà plus de choses que dans le premier. Mais ça veut pas, c'est pas le premier, sachant qu'il fallait, je crois, 70 runs réussis pour voir l'épilogue. Et 10 runs réussis pour voir l'ending. C'est pas déconnant qu'il y ait des bails comme ça aussi ici. Mais après, moi, je veux pas farmer le jeu de l'infini en mode je ne joue plus qu'à ça. C'est vraiment... juste en fait, entre guillemets, voir un peu une fois chaque boss. Puis après, je retournerai sur le jeu quand ce sera 1.0. Pour pas me dégoûter, il passait 50 heures maintenant, il me le dégoûtait quand il sera 1.0 quoi. En fait, ils disent qu'il reste une arme implantée, un niveau implanté, des personnages implantés. C'est ce qu'ils mettent dans le en développement qu'il y a dans le jeu en bas à droite. Voilà, allez Popo, vends-moi du rêve. Vos attaques, votre ruée, vous concentrez. Je me concentre pour prendre moins de dégâts. Une vague de puissance. Elle est prévue, le jeu n'est pas prévu pour sortir cette année. Hein. Le jeu est prévu au moins jusque... début 2025 en Early Access, donc faut imaginer qu'il y a à peu près un an de Early Access, à mon avis. Plaisir d'acheter. On a nectar. Très bien. J'ai l'impression que c'est le même bruit que dans Hollow Knight, le tcha de Hornet. Bien entendu d'ailleurs le Shadow Drop de Silksong aujourd'hui à 18h, hein, juste après celle d'Hades 2, bien sûr. En fait c'est marrant, c'est faut savoir que Super Giant Game a eu le temps de sortir Hades 1, de faire Hades 2 entre le moment donné où Silksong a été annoncé, il est toujours pas sorti. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Alors, on améliore. Dernière série d'attaque. 400% de dégâts avec l'embuscade qui explose. Embuscade. The Nymendoros.
Big Song is not a mirage, a dream. La 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 la. Luxon ne sortira jamais, ça sent le jeu, le truc a trop d'attente, donc le dev ne sort pas sortir. Oui, oui. Comment va toujours Satan? Est-ce que Satan est moins fatigué? Tant mieux pour Satan. Ils n'ont pas eu de soucis à cause de Unity? Non, non, non. En fait, faut imaginer qu'une boîte comme Cherry, après Hollow Knight, la thune est loin à l'infini en fait. Donc non, c'est pas un truc avec Unity ou autre. Enfin, c'est une boîte comme Supergiant Game qui ne connaît pas la crise. La crise dans le jeu vidéo indé, tout ça, ils comprennent pas le problème. En fait, parce que pour une boîte comme Supergiant Game, du coup, faire un Shadow Drop de Hades 2, d'un point de vue joueur, c'est trop cool. Mais j'imagine toutes les personnes qui voulaient sortir leur jeu, genre demain ou après-demain, en disant « Ah machin, il y a des jours fériés et tout, comme ça les joueurs entendent jouer à notre jeu. » En fait, tout le monde va s'en battre les steaks des jeux et être en mode « Non mais il y a Hades 2. » Donc tu vois, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui peuvent se permettre de faire un Shadow Drop comme ça en fait. Et que leur jeu soit suffisamment connu, attendu et tout le reste pour que ça fasse ça. En jeu indé, hein, il n'y a pas beaucoup. T'as Hades, t'as Silksong, t'as Slay the Spire 2. Oh, Selene. Allez, rayon de lune. Ils ont économisé un budget comme. Hades 1 n'avait pas eu de jeu de. Hades 1 n'avait pas eu de budget comme. Supergiant Game ne font pas de budget comme sur leur jeu. Il n'y a jamais d'OP et tout. En fait, ils n'en ont pas. Ils en ont très très peu. Ah. Le heal en fait. Et... V-Rising, ça reste un petit jeu, c'est pas un gros jeu attendu, V-Rising. À un moment donné, t'as Homeworld 3, t'en as plein. Et déjà le boss? Ah ouais. Ah, enraciné. L'infusion. 15 par salve, c'est tellement peu, 15 par salve. On va prendre les 60%. L'écorce épaisse, ouais, mais si on n'a pas de dégâts. On va tester. Je réfléchis. Là, je vais regarder si on voit des messages ultra importants sur internet. Je ne crois pas. Je ne regarde pas. Attendez, je fais mon petit tour des internets. Je viens de voir, c'est un tas message. C'est parti. C'est bon. She does. No.
Allez, 4 du coup, les maras. J'ai pris les attaques enracinées quand même, ou j'ai pris. Non, j'ai pris la salle. Rappelez-moi, attendez, j'ai eu du QI ou bien? Ou bien j'étais un connard? Non, j'ai bien pris le truc défensif. Ce serait contre-productif pour Super Giant de faire des OP sur Hades. Ou pas contre-productif. Ils en ont pas besoin en fait, c'est des boîtes qui ont pas besoin. T'as quelques boîtes comme ça, genre Cherry avec Hollow Knight, ils ont pas besoin non plus. Y a pas beaucoup de boîtes qui sont comme ça. Hein. Ah merde, c'est une fois. C'est encore 20 élèves de Hollow Knight, personne ne sait. Moi je pense qu'ils sont enfermés, ils ont été enfermés par Kojima pour bosser sur son prochain jeu. Il bosse sur Death Stranding 2 en fait. En fait, Death Stranding 2 sera tellement un avant. Un jeu incroyable pour le monde du gaming qu'en fait dans Death Stranding 2, dans une bande d'arcade où t'auras Silksong dessus. Ça sera le seul moyen d'accéder à Silksong. Ce serait tellement disruptif. Je pense que Kojima est refait par rapport à cette idée. Je vais demander à Satan, elle le connaît personnellement. Ah, elle me dit que non. Elle ne connaît pas Kojima personnellement. Terrible. Kojima, c'est celui qui a fait la version jeu vidéo du jeu de société Serpent à échelle. Oui. Your growing skill with Lim and Oros makes you something to be feared. Good. Victory. Gaga, j'ai gagné. Death Stranding m'a jamais hypé, mais si Silksong est dans Death Stranding 2. Et ouais. Qu'est-ce qu'il y a Chronos là? Pardon. Subissez moins 15% de la part des dégâts. Mets ton bonus supplémentaire parce que c'est usé. Cibletuel Roxy, on va prendre l'éclat de diamant des Faistes. La TC lâche, non, je ne l'ai jamais débloqué. Continue de me divertir, nia nia nia. Silksong ou Star Citizen disponible en premier? Bah, Star Citizen, avec tous les défauts que ça a, tu peux quand même y jouer actuellement. Alors que Silksong, si tu veux jouer avec Silksong actuellement... Quelle indignité. Bah tu peux, bon. Non, techniquement, tu peux jouer à la démo de Silksong. Ah non, il n'y a pas eu de démo de Silksong. Ah oui, la démo de Silksong, oui, qui s'appelle Hollow Knight, c'est ça? Pardon, j'ai pas compris. Oui, tu peux jouer à la démo de Silksong qui s'appelle Hollow Knight. Oui, bien sûr, c'est vrai. C'est vrai, j'avais oublié. C'est vrai, non, mais t'as raison, pardon. Mea culpa. Un moment, est-ce que Starfield n'est pas la démo de Star... Oh, wait. Je n'étais rien, et voilà qu'aujourd'hui, je n'ai plus de mana, c'est la merde, je m'aime à mourir. Salut Hermès! Yo beau gosse! Ouais. Ah, Hephaistos, c'est toi que je veux mon bro.
Jumel mode pour avoir Hornet et jouer Silk Song sur Hollow Knight. Et jouer Hornet sur le Knight, pardon. Ça marche. Allez, donne-moi un bon loot, donne-moi un bon loot, petit coquin. Oh. Ok, on va sublimer. Par contre, faut qu'on check un truc, il nous faut 6 pour écorce épaisse. On en a 4. Ça va être chaud comme une baraque à frites. Allez, let's go l'élite. Et autant dire que moi, les friteries, ça me connaît. Oh, le retour du rat! Je sais pas comment je suis mort comme une merde juste avant, en fait. À cause d'une technique que j'avais zappée, quoi. J'ai tellement envie de Guillaume Canet, mille fois. Voilà. C'est gigamin en fait, c'est la charge ça, c'est la charge à 30. Il m'en faut plus pour être heureux. Oxe, oui. Je m'en fous. Que je veux, c'est donnez-moi des PV. Et surtout, donnez-moi un pouvoir de pierre. Parce que le pouvoir de pierre, je suis à 3 pour débloquer l'écorce épaisse. Ah oui, je sublime la quête du pouvoir. Moi, je n'étais rien, et voilà qu'aujourd'hui. Alors, faveur chaotique, graine originelle. Ah, c'est ça. Pour les 4 prochains combats, vous recevez moins 23 points de vie. Plus... Yes, c'est ça. Férocité atrophiée, c'est ce que je veux. Parfait. Ah, le perso chaos, il a un look insane. Boon, 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 boon. I want you in my... Pardon. C'est le marteau attaque explosive hein, qui fait les dégâts là. Par contre, ton attaque chargée fait... Coup de 30, le 10. Le coaster blanc, c'est injuste sur certaines personnes comme K.O. ou Pierre Niné ou c'est Gigastonk. Sur moi, ça fait mariage du bled. Je pense que le costard blanc sur moi, c'est une catastrophe avec la barbe et les poils. Ah, moi, je pense que le costard blanc sur moi, c'est un drame. Je pense qu'on peut loler. Non, non, pas eux. Je dis en fait, si j'utilise le pouvoir des glyphes qu'on te donne dans le jeu, finalement, ces groupes de mobs sont tellement pas durs. Ça va être pareil pour les crânes. En fait, le problème, c'est que je suis con. Le vrai problème, c'est que je pense que je suis con, en fait. No joke. No joke. Je
Le casino, t'étais comment veste de... pantalon, veste de costard, chemise et cravate. Alors. Sur des mets de terre. Oh. Parfaite condition, c'est quoi? C'est ça? Ok, plus long, plus d'invulnérabilité. On est à 4 pierres. Bonjour Pierre. Là, ce que j'appelle vase de costard, c'était le gilet. Quelqu'un peut me dire que je suis turbo débile parce que je suis invulnérable en début de combat pendant 12 secondes et que... voilà. C'est vrai que ça marche pas sur elle le charge. Avec Mozoon. Alors, fais la P2. Mais en mode bien matinal, pas du tout. De rien si le jeu est bien. Vive le gaming. Roxy. Le jeu triche, comment ça un jeu qui triche, quelle indignité. Ça vient la première fois ça, tiens. Ah.
Voilà. Écoute. Oh non, reviens ici. Allez, donne-moi la perle. Et on descend. Le son est étouffé quand tu rentres dans sa coquille. Oui. Tu as tué Chronos, non? Il m'a expliqué que la vie était de la merde. Paul Boonlock, je hausse les usées. C'est ça, 46 combats. On a débloqué quoi, tiens? Rayon de lune. Ah. Sympa. On a eu les bonus des Phaistos, mauvais œil, on va pas le pique. On va prendre rayon de lune, tiens. To firmer ground. One step at a time. Ah. Portail ouvert. J'arrive. Made it through. Ah. Oui. Bon, ça, j'ai pas l'outil nécessaire. Ah, pour pêcher, oui, je peux pas tout avoir. Alors. Ouais. Ouais. Bien incroyable, on va quand même prendre guérison paralysante. Héphaïstos avec un élite. Oh, j'ai rarement eu des élites ici, tiens. Let's go. Et bonsoir, Loralake. Ouais, si, forcément, c'est elle, je suis. Ah mais en fait c'est ça, elle a pas beaucoup de points de vie, mais dès qu'elle me touche, elle regagne des points de vie. Ok, je viens de comprendre. Mais c'est pour ça que ça, ils appellent la censure. Voilà, facile, bonjour morte-couille. Et j'ai compris un truc de génie, n'empêche. Ah cool, j'ai augmenté mes dégâts. Alors, vos attaques, une explosion. Je vais même prendre le frappe volcanique pour avoir un truc qui booste les dégâts. Le mini-boss de la zone tartare, tu l'as vu marmotte? Pas sûr. Alors là, c'est Narcisse. Ah non, c'est Echo. Oh, laisse tomber, il y a un marteau du soin et de l'arcane, là, c'est dans mes veines. I have to go now. Oh, qu'est-ce qu'elle veut? Première fois que je la vois là, salut. J'ai perdu, je te viendrai bien une carte, un truc comme ça, mais t'aurais pas de quoi y aller. I doubt a map would be of any use, as these pathways seem to shift. The golden boughs. Alors. On a que 75 de gold. Après quoi on aurait plus que 75 de gold. On va avoir plus d'essence ceci dit. Ah je peux pas accepter parce que j'ai pas de thunes. Ok c'est ça. Petite map. C'est pas Narcisse, c'est Arachné. Non, non, dans le, c'est Echo ici. Echo, elle est, Echo, c'est celle de la map 3. Narcisse, c'est dans la map 2. Arachné, c'est dans la map 1. Dans la 4, c'est Hadès. Vous n'allez pas m'avoir? J'ai joué au jeu. Mais vas-y.
Pas d'énervement, bien sûr, aucun mot plus haut que l'autre. Aucune maman ne sera insultée ici. Je vous le promets. Je vous le promets. Hadès, c'est le chien. Oui, Hadès, c'est le chien. Mais vas-y, là, je me prends Jackie Chang, là. Faites les noix. Mais vas-y, arrête. Mais arrête avec tes dégâts, là. En plus, je suis... Oh, vas-y, me saoule comme ennemi. Mais crève. Fils de Nancéen, là. Possible. Jeu de ses morts. C'est quoi ce pouvoir de merde en plus? Enfin, bref. Pas d'énervement. Pas de sel du tout. Aucun énervement, j'ai dit. Oh mais vas-y, mais tout me touche là. Aucun sens. Armure tags. Putain, Naboo. Oh mais Naboo quoi. Ah mais j'ai envie de te soulever tellement fort. J'ai envie de te soulever tellement fort, Naboo. Charge. On est où au niveau des salles? Salle 29, il y a la 30, 31, 32. Bonjour, War War. Caron will want this.
Il ressemble plus à un jeune qui a commande vocale sur téléphone. Oui. Murtag, je te vois. C'est... Ah ben, je t'ai demandé si ça allait bien passer la journée de travail, mais t'as pas travaillé là. T'es déjà de retour. Allez. Ah, c'est bon, Jackie Chang, là tu pètes les noix. Ah, une Kung Fu Fighter Marine. C'est bon quoi, laissez-moi tranquille un peu. Le mec il pop des têtes de loup là. Et gros, on se détend. Mais je sais qu'on a des glyphes que j'utilise jamais, que c'est parfait pour esquiver les attaques, là, commencez pas. Et qu'est-ce qu'il y a là, t'as monstre noir là. Avec personne n'aime le noir. Tout le monde préfère quand il y a la lumière. Et voilà, ça recommence. Pas canaliser plus vite toi pour voir ce que ça fait aussi. Pardon, pas d'énervement. Et putain, dans le jeu, bande de cons, dans le jeu, je parle. Pas possible. Et Phaistos ou... On va aller chez Phaistos. Allez. On va prendre ça pour être à 5 sur 6. Ah mais c'est déjà... Et il y a les grosses patounes. On voit les patounes. On est jaune 31, je suis... Et merci Murtags. Vraiment, enfin, je sais pas si merci est le bon terme, mais... Quel choix intéressant de sub, Murtags. Ceci dit, ça pourrait être d'autres personnes que Murtags. Ça va là, Jackie Chan? Red Mob qui fait du Kung Fu là. Saloperie! Allez, reviens. Viens voir papa. Comme si daddy.
tags. Et là, c'est pas toi non plus, Murtax, j'imagine. Même que tu n'es qu'une victime de ce complot. Ça c'est fait. Combien dure une run? Comme dans le premier, sac à main. Comme dans le premier. Pas de changement là par rapport à toi. Allez, on boit. Alors ici... Ok, déjà été utilisé. 30 pour sauver une voix 1, plus de crit. On peut avoir quoi contre le boss? On était mort contre Roxy, donc ça nous aidera pas. Poséidon bof. Aphrodite bof, elle est pas trop de la terre. Prendre le bois du cerf blanc. Allez, il faut que je trouve un pouvoir de pierre. Non, non, pas pierre comme ça, mais pierre... Pierre. En fait, il y a plusieurs types de pierres. Des pierres élémentaires dans le jeu, quoi. Solide sur nos appuis. Et merci Murtax qui a offert un sub, c'est pas moi. Merci à Murtax. C'est aussi ce que je ferais, c'est aussi ce que je dirais si c'était moi. Et merci Murtax pour le sub offert. Je vais d'aller vers le 3. Imaginez que c'est Naboo qui offre des subs. Je dirais bien que je m'en coupe une si c'est le cas, mais... Putain, mais Murtax. Merci Murtax pour le sub offert. Murtax, dans 10 ans, il sera à 15 000 subs offerts. Mais que à des noms qu'il choisit. Et remercie Murtax pour le sub offert. Ah
Ah, mais je pense qu'il a une Macron en fait. Il a un G-Doc avec tous les pires noms de Twitch, les pires pseudos de Twitch en français. Et du coup, bim. Je pense qu'à ce niveau, c'est réellement organisé. Merci Kmouzoun pour avoir un sub offert à la famille royale du Qatar. Voilà. Et Kmouzoun qui tente d'attirer les Qataris pour qu'ils offrent les 2500 subs pour qu'on passe sur une chaîne full CRPG, bien sûr. Malin. Le port de Popo. Allez, c'est qui? On a qui là? Oui, on a le... Je sens qu'une nouvelle connerie est apparue, mais j'ai pas le temps de voir quoi. Et merci Murtax pour le sub offert à Léopold 2. Très beau prénom, bien sûr. Bonjour, une paillasse. Qui n'en tout ça? Merci Muzak pour le faire. T'as dos au con. Hein. On va voir Paps. On va aller voir Papa. Salut Paps. Alors, je ne sais pas comment je fais. Notre famille, est-ce qu'il est aussi ordonné ou sur les Loirs? Je veux savoir ça, oui. Wait, you never told Kronos how to find the fates. If this is true, well then my father's plan for comp. We've every chance. Alors, un petit peu perdu. There. Now the one's feared. Vraiment de la pi. Je vais me faire du thé avec du thé. Aïe aïe aïe, Murtax, t'es en train de perdre tout, toute l'idée que t'as eu hier qui était incroyable. Du thé santé, excuse-moi de te le dire, t'avais un vrai concept et là tu veux le gâcher en mettant du thé dans ton thé. Allez, s'il vous plaît, il me faut juste une pierre pour débloquer les dégâts. Ah parce que pourquoi Murtax prend pas une binouze de fin de journée? Parce que pour Murtax, je pense que là actuellement on est dans le début de sa journée. Merci Clown Payas pour les gambits. De moi jamais seul, mais t'es pas seul Murtax, t'es avec nous tous. Allez Faisto, donne-moi de la pierre s'il te plaît mon brof. Oh la fontaine. Just a small sip. Oh, on débloque les corps épaisses. I got a dream. I guess we can do it right now. Cause we have all we need.
Ah, cette fois-ci, c'est la bonne. Ça t'a pas déclenché. Non, ça déclenche pas les bits par 100 parce que c'est 1 euro. Du coup, c'est déclenché à partir de 500 bits. Parce qu'en fait, sinon... sinon, c'était full spam de gens à 100 bits. Et du coup, c'était chiant. Ah, le train live, non, 100 bits, c'est trop bas. Pareil, c'est le train live, il aurait fallu que ce soit à 500 bits pour le déclencher. Ici, on aime bien les pauvres. Bah, c'est une aboue. C'est faux. La preuve, on t'aime bien. Les fruits de la passion. Oui, on va prendre les fruits de la passion. Ça se joue très bien, pas de problème. Voilà, le petit ratus. Encore ! Ok, on améliore. Oh merde. On prend. Et pour l'herbicide impitoyable, allez, encore une last chance. Oh là là, encore. Dans sa Murtax, l'entrée de gamme est à 770, le haut 1500-2000 et le haut de gamme à 10K. Ah oui, 10-20 000 pour une paire de chaussures. Très bien, je ne vais pas tout à fait dans le même monde. Non mais c'est bien, hein, c'est important, il faut tout pour faire un monde. Bon allez mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est le temps du vote. Le temps du vote. Le vote communautaire, s'il y en est, le vote de la commu. Alors, commence la prédiction. On tue
Chronos ou bien... Oui, je suis nu. Non, dégage. Très bien, vous avez une minute pour la prédiction, bien sûr. Eh oui. Eh oui. Bien sûr, aucun souci. Bien sûr. Alors, oui. Très bien. Alors attendez, j'ai reçu un message. Bon. Ah oui, voilà, très bien, c'est là. Je vous laisse voter. Explique, parce que je bats le prochain boss. Le prochain Allemand, est-ce que je le bats? Bon. Allez. C'est parti. Géoline, désolé Mammoth. Aïe, aïe, aïe. Il est moyen de se mettre bien du coup. C'est une déformation de missile de vouloir battre les boches, bien sûr. Allez, on est parti. Solide avant tout. Et on saute. Ah. It's time for Rambo. Salut. C'est moi qui vais façonner l'histoire. Ce tombeau sera ton tombeau. Oh, je bourre les lions.
Ok, puis on terminait. Allez. Simplement pas cette phase. Je croyais que je viens de résister, mais quoi tu possible? Je sais pas si c'est une P3. Meurs. Je reviendrai, je te tuerai autant de fois qu'il le faudra. Oh c'est beau. C'est une P3 de famille. Chronos vaincu, qu'est-ce que ça va donner maintenant? Ah du coup victoire, 47 minutes, zone 45, tout ce qu'on a fait. Ok, donc ça c'est GG. Record de dégâts subis, Chronos 600, tu mets le tonne. Du sable. On peut continuer. Et ben voilà, c'est fait. Parce qu'on débloque ce soir, celles qui résisteront à... C'est grâce à mon Lynx, ça, clairement.